Anthony fait plus de vidéos, Anthony fait plus de vlogs, je vais faire plus de vlogs. Non, je pense qu'à l'iPhone, ça suffit. C'est le vlog du jour, c'est l'information du jour, on commence directement là-dessus. Ne faites pas pipi sur les blessures de méduses, ça fait justement un effet inverse. Faudrait aller plutôt à la pharmacie et acheter ce qu'on appelle une crème anti-méduse. Donc c'est une crème qu'on met sur nous et qui permet d'avoir une sorte de fluide, de façon à ce que quand la méduse vous touche, elle pense que c'est une autre méduse, une amie à elle. Elle va pouvoir voilà, avoir une conversation avec elle, peut-être fumer une cigarette avec vous, elle va croire que c'est une méduse. N'hésitez pas à filmer ça si une méduse vient vers vous et qu'elle peut vous parler. Ça peut être une très bonne vidéo, ça peut être un très bon TikTok, ça peut vous faire... C'est génial de faire ça, donc n'hésitez pas. Vous avez remarqué, il y a la petite décoration derrière, c'est mon t-shirt. Alors ça, c'est un short que j'ai eu chez COS. Et regardez, comme c'est super bien fait. Donc voilà, je remercie COS. Hein ? Les personnes aussi qui sont au chômage, et, ou même... Les personnes, pardon, qui sont pas au chômage. Mettez-moi en commentaire vos PayPal. On va faire une cagnotte pour vos PayPal pour essayer de vous donner un petit peu d'argent pour faire un resto, soit un McDonald's ou un Burger King par exemple. Donc voilà, on mettra, mettez vos PayPal et on va essayer de vous faire des dons. Il y aura des vlogs un petit peu tous les jours en août. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont pas partis en vacances, oh là là, les pauvres, mais qu'est-ce que part, vous êtes pauvres également. Pour ceux qui travaillent pendant l'été, c'est très bien, force à vous. J'ai beaucoup travaillé l'été, moi j'ai fait... Force à vous. La vidéo, j'ai oublié de vous dire, est sponsorisée par NordVPN. NordVPN, c'est ce que c'est. C'est une entreprise qui a énormément d'argent. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut? Faut peut-être une info un peu croquante. Je vais faire un feat avec Michou. Ça y est, c'est lancé. Le petit portail s'ouvre. Ça, c'est un signe d'une super journée, les amis. Puisque je vous emmène sur mon scooter avec moi. Et je vous emmène, vous allez voir la petite surprise à, pendant le déroulé de cette vidéo. Voilà, le petit casque. Merci à la marque casque pour m'en passer le casque. Tu me dis, hein, si t'as des idées de plan. Hein. La marque scooter pour le scooter. Par contre, juste les conseils sur le cadrage. Pour le cadrage, je suis OK. Et la marque gants pour les gants. Ça y est, on est arrivé au musée. Hop là, une petite amie derrière qui a rien demandé, je la filme quand même, sa mère. Alors là, il y a la queue, il n'y a pas du tout de queue parce que les gens ne veulent pas se cultiver. Ils veulent pas voir des singes empaillés, ils veulent pas voir des bisons empaillés. Mais ce que je peux comprendre à tous les végétariens qui regardent cette vidéo, je vous comprends énormément. Regardez comme c'est magnifique. Il y a les pieds de ma femme juste devant, je peux pas vous les montrer sinon il y aura de la masturbation. Ça, c'est une gambasse. Ça, c'est une araignée Veltron qu'on trouve très beaucoup en Ukraine. Ça, c'est une araignée de mer de Montreuil, qu'on trouve beaucoup dans le 93. Très penché rap. Hop là. Et ça, c'est Squeezie. Oh là là, c'est incroyable. Regardez, ça, c'est un bocal avec un truc dedans. Alors ça, ça s'appelle un chien. Ah, arrête. Arrêtez le requin. C'est juste génial. Je vous remets la séquence. Et pour ceux qui viennent au musée de la science à Paris, ce sol-là, il est super glissant. Mais bébé, tu vas tomber. Oh, mais bébé. C'est trop maso. Il y aura des blagues tout le long de ce vlog. On voit vraiment l'animal là qui veut sortir de la cage. Oh là là, mais moi je veux sortir de la cage. Chérie, chérie, je crois qu'il y a un moustique. Imagine, tu te réveilles le matin et t'as un moustique de cette taille là quoi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, fin de la visite du musée des animaux. C'était super, mes animaux préférés. L'hippopotame, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi les papillons. À un moment, il y avait un canard avec un bec qui était trop, c'était trop des barres. Voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez déjà vu un canard dans votre vie avec un bec bizarre, de le mettre en commentaire ou de me l'envoyer même sur Instagram sur Anthony Nastella. Merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Au revoir.